avec des cris de victoire. Quelqu'un va lire pour nous. Someone is going to read for us. Dans le livre du prophète Isaïe. In the book of prophet Isaiah. Tu lis d'abord le verset 23. First tu lis le verset 23. First of all, verse 23. Et tu vas au chapitre 9. Chapter 9. Tu lis d'abord Isaïe chapitre 8, verset 23. Tu lis d'abord Isaïe chapitre 8, verset 23. First of all, read Isaiah chapter 8, verse 23. Après, tu lis le chapitre 9, verset 1 à 6. And after, you read chapter 9, reading from verse 1 to 6. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Chapitre 9, du verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Et à son royaume, l'affermissement, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Gloom for those who were in the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the future, he will honor Galilee of the nations by the way of the sea beyond the Jordan. The people walking in darkness, having seen a great light, on those living in the land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you. As people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke of burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressors. Every warrior's boot
used in battle and every garment rolled in blood will be destined to burning, will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Verse 7. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Le salut n'est pas loin de nous. Salvation is not far away from you. Il n'est pas sous la terre. It's not under the earth. Pour que tu puisses dire qui va entrer là-bas pour nous. For you to say that who is going to go there and take it for us. Il n'est pas loin dans le ciel. It is not far in heaven. Pour dire que qui va monter là-bas. To say who is going to go up there. Jésus a apporté le salut. Jesus brought salvation. Et il l'a déposé sur tes lèvres. And he laid it on your lips. Il est dit celui qui croit du cœur. It is said that the one that believes from the heart parvient à la justice. Comes to justice. Mais celui qui confesse de la bouche and the one that confesses from the mouth parvient au salut. Comes to salvation. Ce soir, this evening, tu vas entrer dans ton héritage par tes proclamations. You are going to enter your inheritance through your proclamations. Tu vas parler. You will speak. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ça va s'accomplir. And it will be fulfilled. Le juste vivra par la foi. The just shall live by faith. Jésus a dit à ses disciples. Jesus told his disciples. Demandez. Ask. Mais vous n'avez pas encore demandé. You have not even asked yet. Certains pensent qu'ils ont déjà beaucoup prié. Some think they have prayed a lot. Tu n'as pas encore prié. You have not even prayed tu yet. Tu vas prier ce soir. You are going to pray this evening, this afternoon. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Jusque là, tu t'exerçais depuis que tu as cru. Up to now, since you believe, you were just making exercises. Maintenant, au nom de Jésus, par la foi, tu sauras prier. Now, in the name of Jesus, by faith, you will know how to pray. Aujourd'hui, today, tu vas appeler Dieu, ton Père. You will call God, your Father. Et quelque chose va se passer dans ta vie. And something is going to happen in your life. Dieu nous a déjà bénis depuis. God has blessed us ever since. Et c'est son plan de travail. And it is his plan of work. Maintenant, il ordonne now he commands que chacun se serve. That each one serves himself. Il a dit, he said, les ténèbres ne vont plus régner sur la terre. Darkness shall no more reign on earth. Il sait ce qu'il dit. He knows what he's saying. La terre là, the earth, ce n'est pas cette poussière. It's not this dust. C'est toi. It's you. C'est toi qui es angoissé. Ce n'est pas l'arbre là, ne connaît rien. It's you who is in trouble. The tree does not know anything. Les ténèbres ne régneront plus sur la terre. Darkness will no more reign on earth. Où il y a maintenant les angoisses? Where there are troubles now. Où les gens tremblent. Where people shake. La Bible dit que par crainte de la mort, le diable a gardé certaines personnes esclaves. The Bible says that because of a fear of death, the devil has kept some people slaves. Dès qu'il te dit, tu vas mourir. As soon as he tells you, you're going to die. Tu cours chez le féticheur. You run to the fetish man.
Tu vas où on lance les courriers. And you go there, they launch curries. Tu vas chez un marabout, il écrit sur les choses, il lave, il te dit bois. You go to a witch doctor, he write on things and he washes and say drink. Dès que tu fais un mauvais rêve, as soon as you are in a dream, tu cours. You have a bad dream, you tu run. Tu vas chez un Rosicrucien. You go to a Rosicrucian. Et il te remplit la tête de mensonges. And he fills your head with lies. Les ténèbres ne règneront plus sur la terre. Darkness will reign toujours sur la terre. Darkness will not reign always on earth. Où il y a maintenant les angoisses. Where there are troubles now. Les ténèbres. Darkness ne vont pas régner toujours sur ta vie. Will not always reign on your life. Toi. You. Qui est plein d'angoisses. Who is full of troubles. Il y a des petits menteurs, même sorciers disent tu vas voir, alors qu'il n'est même dans la sorcellerie, il n'est rien. There are little liars, witches, or sorcerers who tell you you will see. J'ai un frère. I have a brother. Quand ils avaient des petites difficultés pour trouver à manger. When he had. C'est lui little, qui a raconté l'histoire. He had a little difficulties to find food. He's the il one who told that story. Il faisait le petit banditisme. He had a friend who was a bandit. Lui cherchait les clients. Son ami est assis comme un marabout. He go and finds, people to come, and his friend is sitting there as a fetish maker. Il ne connaissait rien. Son ami ne connaissait rien. His friend knew nothing. Après, il fait comme s'il le consultait. And after he does as if he's consulting the man. Et il paye. And he pays. Le gars, il commence à jouer la vie avec. And he start joking with it. Tu as consulté de faux. You have consulted false people. J'ai dit bien des gens qui ne connaissaient rien de la magie, rien. I tell you the truth, people who know nothing in magic, nothing. Comme ça l'amusait, il s'est mis à nous raconter l'histoire. As this situation amused him, he started to tell us the story. Il disait, il y a un grand marabout là-bas. You are saying there is a great juju maker there. Et son ami attendait. And his friend was waiting. Quand il vient là, il fait les mensonges. When he comes, he makes lies. Tu payes. You buy. Il rit. And he lies. Ils laughs. Ils s'en vont jouer la vie. And they go play life. Il y a une autre dame. There is another woman. Elle était femme d'affaires. She was a businesswoman. Elle prend un marabout en Côte d'Ivoire. She took a juju maker, a witch doctor in Côte d'Ivoire. Ils sont allés, je crois, au Congo. They went to Congo. Loue l'hôtel, le marabout est assis là-bas. They hired a hotel and the witch doctor is sitting there. C'est elle qui perçoit l'argent comme une caissière. She's the one as a cashier who received the money. Vous voyez comment les gens souffrent. See how people suffer. Elle ne connaissait rien. She knew nothing. Pour elle, c'est une affaire. For her, it's a business. Les gens aiment les consultations. People like consultations. Tu saisis un petit devin du vaudou. He takes a small god of voodoo. Tu payes son billet d'avion. A small man of voodoo, and you pay his plane ticket. Après une ou deux heures de vol, il devient un grand homme d'affaires. After 2 hours of flight, he becomes a great businessman. Ce genre-là ne peut même rien te dire de bon. Je vois quelque chose de noir derrière toi. These people cannot even tell you something good. They tell you, I can see something black behind you. On a volé ton étoile. Your star has les been stolen. Les gens aiment aussi entendre qu'ils avaient une étoile. And people like listening that they had a star. C'est ça que l'on appelle les ténèbres. That's what the Lord calls the darkness. Ces petites histoires qu'on raconte dans les mensonges. These little stories that people tell in lies. Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre.
Darkness will not reign always on earth. Qui a déjà fait un an sans consulter un marabout parmi vous? Lève la main. Who has already spent 1 year without consulting a witch doctor? Raise your hand. La parole du Seigneur s'est accomplie. You see, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Darkness will not always reign on the earth. Je suis même allé très loin. Quelqu'un peut dire que non, un an c'est beaucoup. Qui a déjà fait 10 ans sans aller chez un marabout? Acclamons pour Jésus-Christ. Who has spent 10 years without going to the darkness ne régneront pas toujours sur la terre. Will not reign on earth. Les ténèbres, the darkness ne régneront pas toujours sur la terre. Will not always reign on earth. Où il y a maintenant les angoisses. Where there are troubles si now. Les temps passés ont couvert de probes. If the past time has covered of reproach, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, the land of Zabulon and Nephtali, les temps qui viennent, the times that are coming, les temps qui viennent, the times that are coming, vont couvrir de gloire, will cover l'aquarelle voisine au-delà de la mer, the places near the sea, le territoire des gentils, the territory of les païens, of the Gentiles, ont été bénis par l'Éternel. Pagans were blessed ils by the Lord. Verront la lumière. They will see the light. Ils verront la lumière. They will see the light. Ils verront la lumière. They will see the light. Ils verront la lumière. They will see the si light. Les temps passés, if past time, ont couvert de honte, have covered with shame, and reproach, ignominie, and ignominy, ta vie, your life, Dieu a décidé, God has decided, de te donner des temps de joie, to give you times of joy. Les temps à venir, the coming, couvriront de gloire, will cover with glory, la contrée voisine de la mer, the nearby places of the sea, au-delà du Jourdain, beyond the Jordan, le territoire des gentils, the territory of the Gentiles. Écoutez, listen, dis merci à Dieu, give thanks to the Lord. Dieu n'abandonne pas les hommes. God does not abandon men. Dieu ne nous a jamais abandonnés. God has never abandoned us. Regardez une prophétie. Listen to a prophecy. Qui déclare, which declares, que ton passé, that your past, est derrière, is behind. Maintenant, now, ce qui t'arrive, what happens to you, c'est la bénédiction, is blessing. C'est ce que Dieu dit. That's what God says. Longtemps avant ta naissance. Long ago, before your birth. Dieu avait décidé. God has decided. Que les ténèbres. That darkness. Ne vont pas régner toujours. Will not reign. Will not always reign. Et lis pour nous Isaïe chapitre 57, verset 15. Read for us Isaïe. 15 à 21. Read for us Isaiah 57 from verse 15 to 21. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Écoutez bien. Listen carefully. Continue. Continue. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est au loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai, mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. C'est le même message. It's the same message. C'est le même message. It's the same message. Dieu dit, God says, à cause de nos péchés, because of our sins, il s'est fâché,
He got angry. Il s'est fâché. He got angry. Et nous avons continué notre route. And we continue our way. Et nous avons suivi nos voies. And we followed in our ways. Quand il se cache là, when he hides, c'est ça qu'il appelle les ténèbres, l'obscurité. That's what we call darkness. Il refuse de se révéler. He refuses to reveal himself. Mais il dit, mais but, puisqu'il y en a qui pleurent, since there are some who are crying, are weeping, qui intercèdent, who are interceding, je vais les guérir. I will reveal myself. Il dit, je te guérirai. I will heal you. Toi, I will heal you. Et ceux qui pleurent avec toi. You and those who tous les intercesseurs. Weep with you, all the intercessors. Et tous ceux qui prient avec eux. And all those who pray for them. Tu as décidé de les exaucer. God has decided to grant them. Toi, you. Et ceux qui pleurent avec toi. And those who cry with you. Je mettrai ma louange dans leur bouche. I will put my praise in their mouth. Quand il va exaucer. When he grants. Quand il y a les témoignages, when la there joie. Are testimonies, joy. C'est cette joie que vous voyez. That joy you see. Est une prophétie qui s'accomplit. Is the accomplishment of the prophecy. Aussi, you et ceux qui prient avec toi, and those who pray with vous allez vous réjouir. You will rejoice. Dieu a décidé. God has decided. Et, relis. Read it again. Lis le verset 19. Et verse crois 19. Ça. Verset 19. Tu as cru au marabout, maintenant crois au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. You believed the fetish man, now believe the true God who created heaven and earth. Écoute ce qu'il dit. Listen. Commence même au verset 17. Start by verse 17. Verset 17. À cause de son avidité coupable. À cause de tes péchés. Because of your sins. Et de ton désir sans frein de continuer dans le péché. With your desire to continue in sin. Je me suis irrité. Je me suis irrité. Et je l'ai frappé. Et j'ai frappé. And I struck. Je me suis caché dans mon indignation. Je me suis irrité. I was irritated. J'ai frappé. And I struck. Et je me suis caché dans mon indignation. And I hid myself in my indignation. Quand ils vont prier, je ne veux pas entendre. When they pray, I won't listen. Quand ils vont lever les mains, je ne veux pas voir. When they raise their hand, I won't see. C'est comme ça que Dieu fait. That's how God works. Il dit, je ne veux pas. You say, I don't want. Quand tu dis éternel, il dit, hey. And he said, Lord, he said, hey. Tu as dit que tu veux pécher, va pécher. You say you want to sin, go sin. Continue. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Et il y a des gens, quand Dieu manifeste sa colère, au lieu de s'arrêter, ils continuent parce qu'ils sont intelligents. There are people, when God starts showing his anger, instead of stopping there, they continue. They think they are intelligent. Et aussi, ils prophétisent. And they also prophesy. Si Dieu envoie des prophètes, eux aussi cherchent les prophètes. When God sends prophets, they also seek their prophets. J'avais ma petite sœur. I had my sister. Très zélée. Very zealous. Dans les groupes du renouveau charismatique. And in the groups of renewed charismatism. Quand je fais des progrès dans la foi, elle aussi fait des progrès sur sa voie. When I make progress in faith, she also makes progress on her way. Un jour. One day. On lui a dit que ton grand frère va en Côte d'Ivoire comme missionnaire. She was told that your elder brother is going in Côte d'Ivoire as a missionary. Quand elle a entendu ça, when she heard that, elle a dit, she said, s'il vient ici à Yaoundé, nous étions à Douala, moi je vivais à Douala. I was living in Douala, but when she heard this, she said, if she comes here in Yaoundé. Donc, elle a pris la décision que si je viens à Yaoundé, elle va venir à l'église. She took the decision that if she comes to Yaoundé, she will come to church. On m'a informé. I was informed. Quand nous sommes allés dire au revoir à la famille avant de venir en mission, when we went to bid farewell to the family before coming to mission, je suis allé la chercher. I went to seek her. Alléluia. Praise the Lord. Le frère Zach a prêché. Brother Zach preached. Il a lancé l'appel. And he launched the call. Elle s'est levée. She rose. J'étais à côté d'elle. I was near her. Après, j'entends. And after I hear. Elle est tombée. She fell. L'esprit de mort. The spirit of. Sors au nom de Jésus. Get out in the name of Jesus. Je me suis mis à délivrer en même temps. I started delivering
on the spot. Donc, tous ces progrès-là, c'était dans les ténèbres. So all this progress was in the darkness. Elle veut montrer que mais chez nous aussi on fait. She wants to show that in our church we also et do. Le rebelle a suivi sa propre voie. The rebel followed in his own way. Quelqu'un sait que Dieu est fâché. Someone knows that God is angry. Il persévère. And he endures. S'il entend qu'on lit la Bible, il dit que mais nous aussi on lit, il lit aussi. When he hears that people read the Bible, he says, we too we read, and he also reads. S'il arrive ici, il voit que les gens se réjouissent, ils dansent, mais il dit que mais il pense que quoi? Nous aussi, nous sommes dedans. Allez, il commence aussi sa part. When he comes here and see people rejoicing and dancing, he says, what do you think? Et we also même, rejoice and start dancing. Et il peut même danser plus que vous. And he can even dance more than you. Le rebelle a suivi sa voie. The rebel followed in his way. Dieu est irrité. God is irritated against. Dieu est irrité contre quelqu'un. Is irritated against somebody. Mais il persévère. But he endures in his way. Il persévère. He endures. Une femme m'a dit. A woman told me. Voici l'argent. Here is money. Achète-moi la Bible chez vous là-bas. Go and buy the Bible in your church there. J'ai acheté la Bible, je lui ai donné. I bought the Bible and I gave her. Elle m'avait déjà dit. She had already told me. Que je ne viendrai pas dans votre église. That I will not come in your church. Si je viens dans votre église. If I come into your church. Je risque de dire la vérité à mon mari. I may tell the truth to my husband. Parce que là où tu me vois. Because where you see me. J'ai des maisons. I have houses. Et des terrains. And I have plots. Mon mari n'est pas au courant. My husband is not je aware of it. Je ne viens pas chez vous. I won't come to mais you. Elle a pris cette Bible, but she took that Bible pour aller dans une autre église, to go into another church dénomination, in a denomination pour lire ça là-bas, to read it there. La lecture dans l'obscurité. Reading in darkness. C'est ce que Dieu condamne là. That's what God condemns. Le rebelle a suivi sa voie. The rebel followed in his moi, way. Je suis irrité contre lui. I am irritated against et lui, him. Il crée des voies pour avancer. And he creates ways to go forward. Heureusement, fortunately, que pour certains, that for some, ils commencent à pleurer. They start weeping. Ils arrêtent. They stop. Et ils font demi-tour. And they make a U-turn. Continue. Go on. Verset 18. J'ai vu ses voies. J'ai vu ses voies. I saw his ways. Et je le guérirai. Je le guérirai. And I will heal him. Je lui servirai de guide. Je lui servirai de guide. I will be a guide for him. Et je le consolerai. Pourquoi? Why? Il regrette. Because he's regretting. Quand tu regrettes. When you regret. Et que tu pleures. And you cry. Dieu ne peut pas supporter ça. God cannot bear this. Il dit, il faut que j'aille le consoler. He says, I must go to comfort him. Continue. Et je le consolerai, lui. Et ceux qui pleurent avec lui. Lui et ceux qui pleurent avec lui. He and those who cry with him. Dieu est un Dieu de miséricorde. God is a merciful God. Il est sensible. He is sensitive. Aux cris des enfants de son peuple. To the cries of the people of his people. C'est pour cette raison qu'il dit. That's why he says. Je ne peux pas contester à toujours. I cannot always oppose, contest him. Ni garder une éternelle colère. And keep an everlasting anger. Quand devant moi, when before me, tombe en défaillance, falls, les esprits, the spirits, les âmes que j'ai faites, of the souls that I have made. Dieu ne peut pas voir tes larmes. God cannot see your tears. Et rester indifférent. And remain indifférent. Je vous dis la vérité, c'est écrit. I tell you the truth, it's written. Il dit, je ne peux pas contester à toujours. He says, I cannot always contest you. Ni garder une éternelle colère. And keep an everlasting anger. Il dit, j'habite dans les lieux élevés. He says, I live in high places. Il dit, j'habite dans la sainteté. He says, I live in holiness. Mais quand je vois un homme contrit et humilié, and when I see a man who is contrite, je quitte le trône. I leave my throne. Je viens vers lui. I come to him pour le ranimer. To give him life. Dans ranimer là. In the giving life, c'est là où il y a les délivrances et les guérisons. That's where you can find, you can see deliverances and healings. Il pardonne. He forgives. Il te relève. He takes you up. Il te ranime. Comme ranime, vous entendez là, ce n'est pas plusieurs ranimés. It's giving. It gives you life as you heal. Il te secoue, comme font les médecins quand quelqu'un shakes you. Quand quelqu'un veut mourir là, il y a des actions médicales pratiques
qu'on fait sur lui pour qu'il revienne à la vie. So when someone is about to die, there are practical medical actions that they perform on him avec for him to get life. Avec la seule différence, with the same difference, que lui n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. That he doesn't need to make a lot of effort. Parfois il vient seulement. Sometimes he comes only. Rien que la présence. Just the presence. Le souffle entre toi et lui. The breath between you and him. Tu commences à respirer. You start breathing. S'il te touche même. If he even touches you. C'est une autre histoire. It's another story. Toute l'allégresse te remplit. Oh, you are full of joy. Dieu va le faire. God will do it. Dieu va le faire. God will do it. Dieu va le faire. God will do it. Dieu l'avait planifié. God planned it. Dieu va le faire. He will do it. Dieu va le faire. God will do it. Dieu va le faire. God will do it. Je mettrai la louange sur les lèvres. Tu vas te réjouir. Ça, mon ami, est-ce qu'il y a des non-croyants dans la salle? Lève la main. Are there non-believers? Les invités. Si tu es invité, lève la main. If you have been invited, raise your hand. Je pense que si nous vous aimons, c'est le moment pour vous de donner la vie à Jésus avant qu'on continue. I think if we love you, now is the time for you to give your life to Jesus. Parce que si on continue sans vous, si on continue sans vous, vous allez regretter. Because if you continue without you, you will regret. Levez encore les mains. Raise your hands once more. Est-ce que vous voulez recevoir Jésus? Do you want to receive Jesus? Bon, venez ici rapidement. Okay, come here, come speedily. Venez rapidement. Come speedily. Acclamation, voilà. Clap of ring. Elle vient en courant. She's coming by running. Jésus-Christ. Venez. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui. Là voilà qui vient en courant. You see, she's running to le come. Le diable ne peut pas te toucher. Va. Jésus est là. The devil cannot touch you. Go. Jesus is there. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Vous la priez qui est la victoire sur votre match. Qu'un démon ne retienne personne. You parce pray. Et si c'est trop calme là-bas, so that there will be victory under your canopy. Vous, il y a des bâches où les démons ne sont pas capables de se cacher. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, où es-tu? Yes, where is he? Continue à prier, ça va s'accomplir. Vous allez continue voir. Praying, it will be fulfilled, you see. Vous avez vu? Ici? Voilà. Acclamez la victoire. Clap again. Acclamez. Jésus-Christ. Il appelle les autres que. He's calling the other. Come. Suivez son exemple. Follow in his example. Déjà ici. Il y en a déjà eu. And there are some people who came, who rose here. In the name of Jesus. Satan. Retire-toi. Get away. Et ne retiens personne. And retain no one. Jésus a dit. Jesus said. Quand j'aurai été élevé. When I would have been lifted up. Tous les hommes à moi. I will draw all men to me. Satan, tous ces hommes appartiennent à Jésus. Satan, all these souls belong to Jesus. Tu ne dois bloquer personne. You should not block anyone. Aucune femme, no woman, ne doit rester enchaînée, must remain in chains, par l'adultère, by adultery. Je brise cette chaîne. I break this chain. Je te libère. I release you. Même si tu as signé un pacte, even if you have signed a pact, avec cet homme, with that man, ou avec cette femme, or with that woman, tu es libéré. You are released. Lève-toi et viens. Stand up and come.
Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si un démon t'a retenu, if a demon wants to retain you, si un esprit de mort te garde assis, if a spirit of death keeps you sitting, je t'arrache de ses mains, I snatch you from his hands, I snatch you from his hands, je t'attire dans la gloire, and I draw you into the glory. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Je t'arrache de ses mains. I snatch you from his hands. Je détruis les plans du diable. Je détruis tous les plans de Satan. I destroyed all the plans of the devil. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, acclame, acclame. Yes, clap. Acclame, acclame. Clap. Je brise les chaînes de la masturbation. I break the chains of masturbation. Te paralyse. That paralyzes. Viens. Come. Jésus te délivre. Jesus wants to. Viens, viens, viens. Come, come, come. Viens, viens, viens. Come, come, come. Dans 5 minutes, on va arrêter pour prier, pour continuer. We are going to stop within 5 minutes. Est-ce qu'il y a un rétrograde ici qui veut revenir? Is there a backslider here who would like to come back? Est-ce qu'il y a un rétrograde qui veut revenir? Lève la main. Is there a backslider who would like to come back? Raise your hand. Est-ce qu'il y a une main quelque part? Is there a hand somewhere? Ok, levez vos mains. Raise your hands. Dites, Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus. Je suis un rebelle. I am a rebel. Qui a suivi les voies de son cœur. Who followed in the ways of his heart. Pardonne-moi. Forgive me. Je décide aujourd'hui. I decide today. D'abandonner cette vie. To forsake that life. De mensonges, de débauche, of lie and immorality, d'orgueil, and pride, de fétichisme, of fetishism, de vanité, of vanity, de mensonge, of lie. Accepte-moi. Accept me. Accepte-moi. Receive me. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Seigneur, je reviens avec des maladies. Say, Lord, I'm coming back with sicknesses. Viens mon secours. Come and help me. Libère-moi de ces fardeaux. Release me from those burdens. Apporte-moi ta guérison. Bear me in your healing. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Get seated. Vous êtes déjà comme nous. Asseyez-vous, on va continuer. Now, like, sit down and continue.